have about 50 Masakhti Palestinians. Because that is here is at the Sea of Kotel. We're here to speak out against the Israel Consulate, which is responsible for the massacre of Palestinians in their own streets. We call upon Israel to stop its occupation of the Palestinian lands and villages. We call upon Israel to cease killing demonstrators. On the north, Israel will massacre the Palestinians on their proper rue. There are plus que 91 Palestinians tués depuis le 1er octobre. More than 90 Palestinians have been killed in their own streets by the military occupation forces of the State of Israel. Since the 1st of October only, every day Palestinians are being killed. And when there's vengeance strikes, then that is publicized by the media here, but not the daily massacre of Palestinians. That is why we are here to denounce the massacre of the Palestinians by the State of Israel, which has its consulate just here in West Mount Square. On dénonce le consulat d'Israël ici à côté pour voir être des porte-parole pour le régime qui fait le massacre des Palestiniens dans les rues, dans leurs propres rues, dans la Palestine. Honte à Israël, shame on Israel, shame on Canada, shame on Canada to support Israel. Now I have enough. You're hosting it. Thank you. Defended it terrorist. No, it's Israel the terrorist. Who's that? No, the terrorist. Who? No, you have no place. Demand change. Simaki, speak peace. We're for peace here. We are for peace. Come here. It's difficult to be here for peace. Shame on you. Shame on you. Non, c'est pour la Palestine, mais le Canada aussi ne dénonce pas ce que le gouvernement israélien fait. Les politiques, ça fait plus de 60 ans qu'il y a vraiment de la paix, de l'occupation et des meurtres. Même l'année passée, ils ont dénoncé qu'ils ont tué des enfants, des femmes et des enfants. Donc la guerre aux enfants, c'est grave. Oui, mais c'est plus drôle que ça aussi, parce que depuis 1991, quand les États-Unis ont commencé la guerre en Afghanistan, il y a 3 millions d'Arabes qui sont morts. C'est ça! Alors, les gens commencent à capoter. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais bien sûr, les gens vont capoter. C'est ça! C'est comme les attentats qui arrivaient en France. Tout le monde médiatise ça, blablabla. Mais quand tu vas dans d'autres pays, ça arrive à tous les jours. Tu vois? Personne n'en parle de ça. On n'en parle pas qu'il y a des Palestiniens qui ne peuvent pas retourner dans leur pays. C'est ça. Il y a de plus de 800 000 personnes qui ne peuvent pas retourner. Ils sont réfugiés, ils ne peuvent pas retourner. C'est ce qu'on dit, non. Et maintenant, ils sont réfugiés pour la deuxième fois dans le camp de réfugiés en Syrie. Yarmouk s'appelle. Maintenant, ces gens-là, toutes les dizaines de milliers de personnes sont en route encore une fois. Wow. Alors. En tout cas, man. Merci. Merci d'avoir Full support. Thank you. Okay.